Alors là, il va zoomer sur tout sauf toi. Tu sais que j'ai pas fait mon intro. Ça peut être l'intro. C'est... Bonjour. Nous sommes en Normandie. Enfin, 3, 4, peut-être 5 jours. On sait pas trop. On est 10. Mon frère, ma belle-sœur, mes nièces, ma fille, mes parents, enfin bon. On est arrivé là, il y a peut-être 2-3 heures de ça, on profite du jardin, parce que là, il fait beau. Ce soir, on n'a pas... Enfin, demain c'est mon anniversaire, ce soir on va manger, je pense, au resto, et puis voilà, on va profiter pas mal. Tu veux peut-être parler de ce que... Je m'en fous, je t'affiche, hein, salut, bon, tu fais le malin. Et voilà, ça va pas être possible de vlogger, je vous dis. Il va falloir que je coupe des têtes partout, ça va être chiant. Ah, ça va être compliqué. Nous sommes le 17 août, jour de mon anniversaire. Si on m'avait dit qu'il ferait aussi chaud aujourd'hui, on s'est quand même tapé un été un peu chelou au niveau des températures, mais alors là, ça tabasse. Regardez-moi ce petit cadre sympathique. Il y a plein d'arbres fruitiers partout. J'ai ma petite nièce qui veut, comme c'est mon anniversaire, c'est parce que c'est mon anniversaire, Lison. Oui. Elle m'a dit, je veux que ce soit comme dans un hôtel, je vais te servir. Alors attends, il faut que j'ouvre ça. Marie, je vais faire comme un hôtel, tu veux? J'arrive. C'est cool. Ça va accueillir la menthe pour le mojito. De toute façon, je vais pas en mettre beaucoup. Non. Bah, ça dépend. Il y a que moi, de toute façon, qu'on veut. Ouais. Ouais. On est tous fatigués, on n'a pas dormi. Alors, j'ai pas compris. Et en fait, je crois que c'était la pleine lune. C'était le 16, la nuit du 16 août. Je crois que c'était la nouvelle lune. Et du coup, on est un peu fracasse là. Non, mais la lune, attends. Bah, elle a une incidence parfois, non. Il te semblerait. Non, la lune n'a pas d'incidence. Alors, le programme aujourd'hui. Petite précision, parce que là, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire, oui, comment se fait-il? Elle avait un t-shirt noir, elle avait une robe rouge. Nous sommes toujours le même jour, je me suis juste un petit peu tachée. C'est bon, on peut reprendre. Je fais un peu ce que j'ai envie, c'est-à-dire que là, on va partir. On va aller où? On va faire les boutiques. Et puis ce soir, repas ici, regardez le cadre, tu te rends compte? Parce qu'en général, quand on est là le 17 août, il pleut, il fait pas beau. Là, il fait trop. Là, c'est pas mal. C'est top. Les go. Ouais, mais Eric, il est fatigué. Ils vont m'emmener comme ça. Non, je te dis, il en peut plus. De quoi? Bah, il est au bout de sa vie, là. Pourquoi? On n'a pas dormi, Marie. Ah oui, c'est vrai. Vous mettez sur une petite chaise, une petite robot. Ah oui, il y a ma fille qui est là aussi. Je crois que c'est même pas nécessaire de vous dire où je suis. Regardez comme c'est beau. Le canapé. Non, ce meuble est magnifique. Ça sent le parfum de... Attention, parce que t'entends les odeurs, ça peut partir. Ça peut partir en migraine. Ah, ok. Bonjour. Non, ça va. C'est subtil, mais faut pas plus. Ouais, mais elle est belle, non? Pas ouf. Je sais pas quoi en penser parce que je suis entre. Je la trouve jolie et je la trouve moche, celle-là. Ah, on dirait que c'est l'aimé. Qu'est-ce qui fait mieux? La lampe? Oui, le bas. J'imagine que dedans. En plus, on peut ranger des choses dedans. Il est beau, c'est vrai. J'essaie une tenue, même si j'en ai une pour ce soir. Mais regarde, alors oui, c'est peut-être un peu vulgaire quand même. J'ai l'impression d'être Kardashian. J'aime bien le haut, moi. Maman, je crois que c'est cahier. Il y a peut-être c'était un peu obscur. Ça veut dire en deux points. Tata. Oui. Joyeux anniversaire. Il y a eu un chat de guitare tout à l'heure. Anniversaire. Je crois qu'il s'est passé deux jours mon anniversaire. Et j'ai pas pris la caméra. C'est très dur de vlogger quand tu passes des moments en famille. Donc voilà, on est toujours en Normandie, on repart demain, nous sommes samedi. Là, j'ai mon frère, on les emmène à la gare parce qu'ils reprennent l'avion pour Saint-Martin demain. Par contre, on a tellement bien vécu que... C'est la séance drone. Il est là. C'est vrai qu'on dirait un essaim d'abeilles. Il est où, tu vois? Il est rentré dans la maison pour pas que... Il est au-dessus du toit. Joli. Oh. Au revoir, maman. Je suis de retour. 4 minutes. 4 minutes de vlog en Normandie. Alors que nous sommes restés 5 jours. J'ai pas réussi. Vous l'aurez vu de toute façon. Mais j'ai super bien profité. Et c'est pas mal aussi. Donc, pour me rattraper, j'ai décidé que j'allais vous montrer mes cadeaux d'anniversaire parce que je suis persuadée qu'il y a des articles qui vont vraiment vous intéresser. Est-ce que vous vous souvenez de ma banane que j'ai achetée? Deux, trois mois, on va dire, Nat and Nin, qui a été hyper pratique, donc je l'ai utilisée tout l'été à l'écran, je pouvais mettre mon petit téléphone pour vlogger, bref, génial. Et là-dessus, pareil, il faut suivre mes vlogs. Eric m'avait un peu ruiné mon sac à main, mon nouveau sac à main, en mettant un produit dessus, hein. C'est jamais parti. Il m'avait demandé des petites références de sacs, il en a parlé un petit peu à tout le monde, il a fait une liste, et j'ai donc trois articles de la marque
Nat & Lynn, que j'ai eu donc forcément en cadeau. On a donc un sac à main. Je voulais qu'il soit donc suffisamment grand pour pouvoir mettre mon téléphone pour vlogger, mais la perche qui va avec. Donc là, c'est parfait. Bouteille d'eau, enfin des conneries. Mais que ce soit pas non plus trop grand, parce que plus c'est grand, plus j'ai envie d'entasser. Et là, c'est du parfait. Parfait, parfait. Donc la pochette. C'est le modèle Panama. Il est encore plus beau en vrai. Voilà, il est comme ça. Il y a des ouvertures partout. L'intérieur est bordeaux, lit de vin. Il me semble que j'ai une petite tache là. J'ai flemme de me changer. Donc, non, toujours pas. Ah, c'est pas ouf là le cadrage. Qu'est-ce que tu fous, Caro? On peut le porter forcément comme ça. Évidemment, le porter comme ceci. Je ne l'ai pas encore chargé. Hein. Donc, j'attendais de le présenter. Et j'avoue que comme ça, j'aime beaucoup. Là, c'est sympa. Hein. C'est pas des pochettes très profondes, mais tu peux quand même mettre des petites choses. Ici, c'est parfait parce que je peux mettre mon téléphone portable de ce côté-là, donc accessible rapidement. Je vous ai montré donc l'intérieur, plusieurs petites pochettes. Oups, on se réinstalle. Attends, il fait très très chaud aujourd'hui. Ça fait partie des deux jours grosse chaleur. Même si je sais que dans d'autres régions de France, il y a du 40-41. Ça devient fou là. Ensuite, je me trimballe un portefeuille, mais complètement chelasse, tout abîmé. J'ai du mal à mettre les choses, je perds les trucs. Mais moi, par exemple, je n'aime pas mettre mes pièces de monnaie dans le portefeuille. Donc vous allez voir après. Toujours dans un petit pochon. Le coloris olive. Moi, le fait que ce soit dépareillé, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. L'intérieur, il est rose poudré. Il est vraiment très beau. Hein. La pampille, comme ça. Il est magnifique. Hein. Hop. Et je vous ai dit, la partie centrale, je ne mettrai pas de pièces. Parce que je trouve que ça charge trop, ça les déforme. Et c'est pas pratique. Ce qui fait que j'ai également eu un troisième article de la marque Trop Mimi. Pareil, encore dépareillé, celui-ci il est beige. Le porte-monnaie, le petit porte-monnaie, c'est écrit là, Nat & Lynn, comme ça, vintage. On va mettre 15 000 pièces, mais oh, vous savez quoi, j'avais même pas vu l'intérieur. L'intérieur, c'est drôle parce que ça rappelle, sans le savoir, le côté olive du portefeuille. J'ai hâte de tout ranger. J'ai eu tout ça en maroquinerie, je vois que j'ai de moins en moins de batterie, il faudrait que je le recherche juste après. Mais ce n'est pas tout! Qu'est-ce que j'ai eu également? Le full size, donc Carolina Herrera Very Good Girl. Ça fait un moment que je le veux celui-là, hein, mais vu le prix exorbitant maintenant des parfums, c'est le parfum, il faut compter maintenant 130 euros le parfum. C'est de la folie, hein. Celui-ci, avec le talon. Moi j'aime bien le rouge, parce que j'avais senti le bleu, et comme quoi, hein, j'aimais pas du tout. J'adore cette odeur. Donc voilà, j'ai eu aussi ce beau parfum. J'étais très gâtée. Ensuite, j'ai eu, et ça tombait super bien, parce que je voulais me reprendre un sérum. Et là, c'est mon sérum préféré, l'Advanced Night Repair, pareil, qui coûte très très cher. Donc j'attendais pour me le reprendre. En plus, là, c'est le full size. C'est top. Et dedans, ce qui est bien aussi, c'est que je l'ai déjà essayé. Hein, ça fait depuis que je l'ai eu, en fait. C'est pas compliqué. Voilà, vous voyez, c'est ce flacon-là. Il est génial. Donc, je le mets matin et soir. Petite pipette. Et dedans, bah, il y a aussi le contour des yeux et la crème. C'est top. C'est exactement ce que j'aime. J'ai eu également, et j'ai failli passer à côté. Je ne l'avais pas vu. Il était dans le paquet. Le vernis Dior. Un vernis Dior. Couleur couture brillant, c'est tenue effet gel. Soin protecteur, je ne l'ai pas testé, mais c'est exactement mes couleurs. Le rose, comme ça, rose nude, rose tendre. J'ai eu également, je l'avais déjà eu, moi je me l'étais déjà acheté, ça tombe très bien parce qu'il était terminé, je le mets dans l'entrée. Le diffuseur Durance, qu'est-ce qu'ils sont bons, vous savez, c'est avec la feuille centrale et à l'intérieur, c'est une bouteille carrée. Je vais switcher, je vais jeter l'autre parce que c'est imbibé, je vais vous montrer, vous allez voir. Bon, déjà, il n'y a plus de liquide. Et surtout, la fleur est complètement imbibée, d'où sa couleur. Si on compare avec la couleur du nouveau, imbibé, pas imbibé. Oui, pour ceux que ça intéresse, parce que je l'ai en visuel, la jaquette a retrouvé ses parents. La jaquette est tout mignon, et non, il n'était pas tout seul. Je vous dis, quand on part, il y a ma maman qui est là, et qui s'en occupe très très bien, donc il n'est jamais seul. Il était triste sans ses parents? Oui, il est bien là. Bon, j'avoue qu'on a eu la séance Calinou à fond.
Mais on a eu aussi, au début, le petit côté, pas je te méprise, mais je te calcule pas. Est-ce qu'il a voulu nous faire payer le fait que physiquement on n'était pas là? Peut-être, je ne sais pas. J'ai pas envie de lui prêter des intentions, hein. Pourquoi tu regardes plus ta mère? Les tes beaux garçons toujours? Bien sûr, les mots. Vous voyez cette bouille? C'est l'amoureux. Et, attends, je vous repose parce qu'il y a autre chose. Ah, les cadrages, j'ai du mal, là. Oui! J'ai eu également ces deux petites choses, enfin deux petites, non? Mais elles sont belles. Je sais pas où elle a eu ça. Hein. On va dire deux boîtes de rangement alimentaire. Hein. Je pense que tu peux mettre des pâtes, tu peux peut-être mettre aussi de la farine. Elles sont belles, c'est des très jolies couleurs. Ah ouais, là il y a écrit en fait thé. Effectivement, on peut mettre du thé aussi. Mais c'est très beau, c'est exactement les couleurs pour ma cuisine. Oui, dans la corniche, je trouve que ça pourrait le faire. Bon, même si j'adore les verres derrière, Collector, Love Hotel. De plage de Saint-Martin. Mais il va falloir que je réaménage un peu tout ça. J'avais complètement oublié, la dernière fois je vous avais dit que je serrais, je vous montrerai la chemise que j'avais achetée au pop-up de l'hôtel Mafouf. Je ne l'ai même pas essayée. Elle est toujours dans son petit sac. Regardez, ça aussi je ne vous avais pas montré. Il y avait une petite carte comme ça, très sympa, à chaque fois que tu achetais un article. Et l'étiquette, parce que je trouve ça très atypique, très, très sympa, très bien fait. C'est ça en fait, c'est le fameux do not disturb que tu mets sur ta porte normalement à l'hôtel pour pas déranger. Et ça, c'est sur chaque article. Comme ça, on va voir ensemble. Et elle l'avait dit aussi, moi j'ai pris taille S, que ça taille très grand. Ouais, c'est ça, donc j'aurais peut-être dû prendre un XS, mais on va voir. Par contre, vous avez vu ou pas? J'avais pas fait gaffe. Ça va, ça se passe bien? Impeccable. Écoute, tant mieux. Tu me rangeras tout ça, merci. Ah, puis ça s'installe hein, complètement. Bon, par contre, je n'ai absolument pas la tenue pour, mais moi, je sais que je le mettrai comme ça. Attendez, je monte sur mon canapé. Ah, mais j'avais pas vu ça. C'est magnifique. Do not... Ah bah, pareil. Do not disturb. Ne pas déranger. Brodé. C'est vraiment beau, hein. Comme ça. Elle existait également en bleu. C'est vrai que j'ai hésité. Confort, hein, mais grande. Grande. Donc, ouais. Le S, le XS aurait été très bien aussi. Mais franchement, ouais, ça passe. Même avec un jean et tout, nickel. Je vais essayer de reprendre, comme je fais habituellement, à savoir 3 vlogs semaine, même si c'est encore, on est fin août. C'est pas vraiment la reprise, même si, enfin, moi j'ai repris, mais je sais qu'Eric reprend sa pré-rentrée, c'est 1er septembre, donc un vendredi. Je vais quand même essayer cette semaine de vloguer, de vous faire un petit peu de contenu. Ce vlog, bon, c'était plus un haul, hein, on va dire le 3/4 du vlog, c'était un haul. Il est possible que on bouge encore un tout petit peu avant la reprise d'Eric, mais rien n'est sûr. Dans tous les cas, vous le savez, hein, dès que je bouge, je prends ma caméra, sauf en Normandie. Bah, j'espère quand même que ce vlog un peu décousu vous aura plu. Je vous fais un gros bisou et puis bah, on se dit à la prochaine dans un nouveau vlog. Bisous, par contre ça, pour un temps de canicule, c'est pas possible. Bisous, ciao.